Rebonjour tout le monde, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve encore pour la deuxième partie de Black Ops du mode solo. Ouais, donc là j'ai pas bougé d'un poil, hein. J'étais là et je suis là. On continue toujours sur un mode solo assez convaincant d'après ce que j'ai pu en voir. Je pense qu'après cette vidéo, je vais me faire une petite partie de multijoueur et demain ou peut-être aujourd'hui. Vous ferez une vidéo du mode multijoueur. Donc abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. C'est très important et ça m'aiderait beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous et merci vraiment. Voyons voir. Parce que n'oubliez pas que mon HDPR arrive dans pas long. Hein. Donc des vidéos on va en faire. Hein. Oulala. Et voilà. Là j'ai eu un. Oups, ça m'a fait peur. Là. Oh là là. Donc là je dis rien parce que j'ai essayé de découverte bien sûr. Ah tan tan. J'ai pas tué ? Ouais. Donc là franchement pour l'instant c'est plutôt une course sur les toits on va dire. Hein, parce que plus tard on fait beaucoup de courses sur les toits. C'est très palpitant comme je dis toujours, hein, vraiment, les graphismes ils sont beaux. Les fois vraiment c'est génial. Waouh. Bah je vais me permettre. Ok d'accord. Ah oui. Alors ça me fera toujours délirer. Oh putain cette arme. Alors là il faut défendre. Faut défendre Clark. Voilà, j'allais dire, ce serait un peu mieux si on ouvrait la porte, il irait plus vite. Oh la faucheuse! Dans le multijoueur, cette arme est une arme. Soit une série d'élimination, ou soit. Oh là, au hasard. Oh putain! Oh non. Oh bah adieu, hein. Je pense qu'on peut le lâcher là. Ah, franchement, le pauvre. Là, je dis vraiment le pauvre. Putain. Bon. Putain. C'est le bordel là. Saute. Ah j'adore cette course sur les toits, c'est trop bien. Ah j'adore. Oh putain. Oh nickel. Salut. Ça va, ça va. D'accord. Donc, d'après lui, nous allons en Russie au mont Mantaya. Mantaya. Personnellement, je m'amuse beaucoup là. Ah, voilà, ce que je vous disais là. Donc, voilà, on se retrouve attaché à la chaise. Je pense que je vais monter le son un peu. Oh ouais, carrément. Oh
Donc c'est souvent comme ça qu'on est dans des petites... dans des scènes, on est comme ça dans la... dans la sorte de chambre, là. Non, c'est pas Reznov. C'est pas. Il me parle de musique là. Ok. Bah, écoute, je suis content pour toi. Ah, d'accord. Contre ma mère. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Oula. Oula, c'est quoi ça? Ok. Attendez. Oh, une mission dans la neige. Oh, nickel. Une petite mission dans la neige, là. On est dedans avec le sergent Victor Reznov. Il est content lui en gauche là. Oh ouais, c'est temps, je l'avais. C'est temps, il était dans code 2 ça. C'est, mais même dans code 5, qu'est-ce que je dis? C'est la PPSH. Salut. Ah mais en fait je suis le sergent Reznov. Et pour la première fois je parle. Parce que dans tous les Call of Duty on parlait pas en fait. Quoi, je suis le sergent Reznov? Friedrich Steiner. Ouais. D'accord, je ne désobéirai pas. T'es moche. Les graviers sont d'une beauté. Donc là, c'est moi qui parle, hein. Ah, c'est parti pour une petite séance de tir. Ah merde! Oh merde! Ah mais je savais pas. Okay.
Coucou. Oh, le MP40. Oh, le MP40. Oh, il est trop beau, le MP40, putain. C'est l'entité de Code 5. Donc là, on est dans une sorte de grande carte enneigée. Oh là. On tire dessus. Oh putain. Voilà. Oh, le carnage. Je vous ferai aussi une review de Black Ops, hein. Pour information. Je parle pas beaucoup, je sais pas quoi dire. Putain, ils m'ont fait monter là pour me faire redescendre. Oh non, je suis mort. Bon. Eh bien écoutez, cette vidéo va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà plus de 12 minutes. Donc ben, je suis encore très heureux que vous regardez mes vidéos, enfin si vous les regardez. Et surtout abonnez-vous, s'il vous plaît, ce serait très gentil. Donc voilà, sur ce je vous remercie, je vous dis bye bye et à la prochaine. Je vais aller me faire une petite partie du multijoueur avec mes amis. Et là, eh bien écoutez, vive Black Ops et vive la Xbox. Salut tout le monde.